The Voice, voici tout ce qui va se passer pour la demi-finale. Ce samedi 5 mai, les candidats de The Voice chanteront pour se qualifier pour la grande finale de cette saison 7. Après des semaines de concours, la demi-finale de The Voice est enfin arrivée. Ce samedi 5 mai, les 8 candidats restants se confronteront au vote du public pour gagner leur place en finale. Et cette avant-dernière émission de la saison 7 de The Voice promet un grand spectacle. Pour l'occasion, d'anciens talents se produiront en live. C'est le cas de Louane, Emiliana et Antoine Gallet. Pascal Obispo, lui, interprétera un titre de son tout nouvel album. Niveau candidat, les coachs ont mis la barre très haut, même si on ne connaît pas encore tous les titres qui seront chantés par les talents. Dans l'équipe de Pascal Obispo, Xami et Eko se défieront sur Mourir Demain, et la jeune Eko se défendra sur Rolling In, de Deda de l'entourée de 4 danseurs. Les candidats de Zazie interpréteront un puespel en duo. Malel chantera Digo et Bédemi Mondaine, de Show Must Go On dans une mise en scène grandiose. Les deux talents restant dans l'équipe de Mika, l'étonnant Frédéric Langlois, se confrontera au Nessun Dorma de Luciano Pavarotti. De son côté, Casanova promet une chanson moderne en français qui sera surprenante. Et enfin, dans l'équipe de Florent Pagny, les deux chanteurs donneront de la voix. Yasmine Amari a choisi de chanter Historia d'un amour de l'espagnol Luis Casal, et le jeune Rafi Arto promet une chanson en français, qui bouge.